Bon, ça, je dis tout le monde qui branche la télévision nationale d'Haïti dans le sorti grand journal là. C'est troisième là pour semaine là. Merci parce qu'on branché. Mais quelques points. Pays d'Haïti commémoré hier mercredi 17 octobre la 212e anniversaire assassinat Papa Nation en point Jacques 1er. Dans l'occasion, en président de la République, là, Jovenel Moïse, qui était avec lui, premier dame, là, premier ministre Jean-Henri Seyan, avec plusieurs autres autorités dans l'État, déposé un jeb dans le pied monument Papa Nation, dans Pont Rouge. Jean-Jacques Dessalines, Papa Inclusion, tout haïtien, c'est sous thème ça, journée commémoration ça, t'es déroulé, président République là, Jovenel Moïse, avec diverses personnalités dans le gouvernement, et puis représentant l'autre secteur, Terranio, dans Marché Dessalines, pour rendre empereur hommage. Président République la Jovenel Moïse mandé toute autorité dans l'État qui concernait dans dossier Petro-Caribéa qui aurait été disponible pour la justice qui a fait lumière sous dossier ça. Selon secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis qui t'a rencontré la presse jeudi 18 octobre 2018 là. Deux mounes mourir, 11 blessés par balle, 7 machines boulées, 2 lots endommagés, yon bâtiment boulé, 8 mounes arrêtés et puis 11 policiers blessés. C'est bilan, journée manifestation 17 octobre là, d'après porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune. Et puis à l'étranger, élève lycéen qui gagnait 18 l'année. Madame, monsieur, n'abtoune après pose ça, avec développement téléjournal là. Merci parce qu'on toujours fait télévision nationale d'Haïti confiance pour l'informer. Et n'a démarré journal ça avec prévisionniste nous Wilner Polidor qui prend le palais conditions temps. Merci parce qu'on branche télévision nationale d'Haïti dans le ça pour prévision météorologique en alors comment situation est sous région. Nous avons une onde tropicale qui doit aller à l'est de la République dominicaine et on ça prévoit pour traverser le pays d'Haïti au cours de nuit là. Même si en journée, nous avons autant qui ensoleillé sous le pays d'Haïti avec quelques passages nuageux, mais nous avons vent qui a soufflé sous le pays d'Haïti avec un noir au devant. Nous n'avons pas trop rafale, nous avons rafale, mais nous avons senti effet vent sous la majorité des départements. Mais en fin d'après-midi, en soirée, passage on s'apprête vraiment activer activité convective sous pays d'Haïti. Toute région sud la concernée par activité rapide, même si c'est activité rapide faible à modérée avec quelques coups d'orage. Département l'Ouest aussi, vers l'Artibonite et le centre, n'a bien quelques activités rapides, à la rigueur le nord-est, mais reste département, c'est quelques averses isolées, surtout sous tête Monio. Pour capitale avec zone qui environne le capitale aussi qui en bas instabilité par rapport avec onde la cap traversé pays a en journée n'a bien autant qui gain soleil sous capitale avec zone qui environne le a bien vent cap souffler aussi mais en fin d'après-midi pour commencer gain convection et en soirée quelques activités la pluie prévoit sous capitale avec zone qui environne le la pluie ça est capable faire modérer avec quelques coups de l'orage et une température cap monter jeudi jusqu'à 34 degrés Celsius et puis la descente c'est 23 degrés, la fait un peu chaud non seulement au cours de journée mais pendant nuit blanche sous capitale avec zone qui environne l'eau. La mer a non seulement dit agité sous côte nord, côte nord et côte sud, mais golfe de la Gonâve n'a pas trop souci capitaine yo précaution activité la plus capable compliquer la navigation sous pays en ce sens de précaution avec prudence et pour page astronomique là sur la couche jeudi à 6h24 et la levée de matin à 6h44 minutes. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci à Wilner Polidor. Rendez-vous demain pour une autre édition météorologique. Et puis, dans l'occasion, 212 l'année commémoration, l'homme empereur Jacques Ier, président de la République, là, Jovenel Moïse, déposé mercredi 17 octobre, là, yon jeb dans pied monument, Papa Nation, dans Pont Rouge. Chef l'État, Teguin Akli, première dame République, là, Martine Moïse, premier ministre Jean-Henri Seyan, président Chambre députée, Gary Baudot, président CSPJ, Maître Jules Cantave, avec l'autre personne
personnalités dans le gouvernement. Tout de suite après, la délégation a pris direction Marchand des Salines pour l'autre étape dans la cérémonie commémoration. Toujours mercredi 17 octobre, le pays d'Haïti commémorait 212e l'année depuis Papa Nation. Empereur Jacques Ier était mort, assassiné dans Pont Rouge. Pour marquer date ça, autorité a choisi thème Jean-Jacques Dessalines, Papa Inclusion, tout haïtien. Dans l'occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, avec diverses personnalités dans le gouvernement, et puis représentant l'autre secteur, Terranio, dans le marchand de Saline, pour rendre en proie hommage. Sabine Jean-Étienne, Jean-Naël Duvernay. Dans le marchand de Saline, la coupe présidentielle a participé dans un premier temps dans messe solennelle pour marquer 212 l'année assassinat après Jacques Ier. Mais ce qui déroulait dans la paroisse Saint-Clair, marchand, Sousso, Unité, Inclusion, Accent Responsabilité, Jean Fondateur Nation, t'a prôné ça. S'il vous plaît, magistrat, yo, président pas fait tout le bagaille. Législateur n'a pas fait tout le bagaille. C'est nous-mêmes qui premiers citoyens dans la ville, dans la commune de Modé, pour nous superviser la construction. Est-ce que la construction est faite suivant les normes? Pour répéter. Plus d'un, la démocratie est la dictature de la loi. Donc, nous avons souhaité tout le monde jouer partition pour les catastrophes naturelles, nous avons moins de monde. Ne nous désespérons pas. Armons-nous tous de courage. Comme des Salines, posons le geste qu'il faut là. Où il le faut, ainsi nous aurons tous ensemble la paternité de la nouvelle Haïti. Haïssons le mal, aimons le bien, vive Jésus-Christ, vive Papa Dessalines, vive Haïti chérie. Reste activité au talra poursuivre sous place publique marchand, côté autorité locale renouveler support marchand à l'administration Moïse Séan. Magistrat commune marchand, Maclin Pierre, et sénateur Latibonite Lan Gracia Delva, pas manqué fait passer l'idée sous situation actuelle pays. En 2018, vous qui êtes le conducteur de la BAC nationale, vous devez tendre la main à nos sœurs et à nos frères haïtiens, qu'ils soient des alliés ou partisans, qu'ils soient des membres de l'opposition politique modérée ou radicale, qui ne partagent pas les mêmes orientations politiques que votre administration, vous devez leur tendre la main, car la pluralité des idées est un élément vital pour la vie de la démocratie en Haïti. Avec l'argent pays, à qui ça veut demander? Est-ce que nous jeunes? Avec l'argent pays, à qui ça veut demander? Avec l'argent pays, à qui ça président Jovenel Banon avec l'argent pays? Je félicite l'administration Moïse là, avec le gouvernement Séan, pour détermination pour développer le pays. Président, mettez bon côté pendant 22 mois de campagne électorale. Mais bon côté pendant 20 mois pour que ce pouvoir. Présence mon bon côté, c'est parce qu'elle continue quoi la vision politique de notre bien-être. Devant ce stand officiel, la population a profité de présence autorité dans le marchand de Saline pour présenter doléances. Le président républicain Jovenel Moïse, une fois encore, prend engagement pour respecter toute promesse qui était faite par les haïtiens pendant la période de campagne. Là, nous devons devant nous. Nous devons devant nous. Nous demandons nous. Nous bulletin vote nous pour mal diriger nous. Maintenant dit nous bulletin ça son bulletin. Nous pral mettre nos banques, c'est pas nous une nous pral mettre.
tête. Moun marchand des Salines, jodia, nous commençons à la banque nous retirer bulletin nous parce que marchand des Salines gen lumière. Marchand des Salines, terrain football a construit, magistrat a dépassé, des bombes onti. Nous kon bibire le Nouveau Testament, ti bib bitia, a dépassé son ti bib jodia. Magistrat bon on lui second. Nous kon gros bib. Nous avons une grosse Bible. Eh bien, a, nous avons une Bible tellement lourde, c'est pour le ministre de l'Ontario. Chaï la lourde, même pour le magabodel, nous avons longé le premier ministre qui est chef du gouvernement. Parce que le magistrat qu'on nous a voulu, sénateur Gracia Delfat, qui a parlé là, qu'on nous a voulu. Et ça, il voulait bien net, peuple haïtien, même Jean Papa de Saline, il voulait bien net, peuple ça. Comparé à l'année qui passe, Marchand des Salines connaît un véritable embellissement à Nessa grâce à la construction centrale électrique Marchand qui fournit diverses sections communales au courant 24 sur 24. Et puis, grâce à la construction de terrain football Parc Saint-Clair qui est une bonne distraction pour les jeunes dans la commune. Océan Petro-Caribe a fait ses déclarations au président République là, Jovenel Moïse, dans le moment où il a participé dans la commémoration 212e l'année assassinat en point Jacques Ier dans la commune des Salines à mercredi 17 octobre. Là. Une fois encore, chef l'État a garanti l'administration là a travaillé pour combattre le phénomène corruption hein, sans passe-pour qui et sans méchanceté politique. Un extrait dans micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Bataille contre corruption, ça, c'est l'innovant de jodi. C'est pour bataille. Pour ne pas mettre gros copes dehors, l'air fin de mettre gros copes dehors, et puis pour cacher bagarre en battable. Procès Petro-Caribe, procès lutte contre corruption, pas passer d'un coup procès consolidation. Côté trois mouns qui étaient coupables, ont tous les trois devenus président d'Haïti. Il n'y a pas passé comme ça. Procès à branchage, la fête, je savais fête, président de la République, chef de l'État, la fête, procès à fête. Pas de monde qui a venu camper pour lever frème à chème dans le quartier populaire qui pour aller travailler pour vous, pour casser feuille, couvrir ça. Tout le monde qui démange l'argent, l'État, dans mauvaises conditions, c'est pour venir rendre. Parce que comme l'État, nous avons besoin de jodia. Bataille contre corruption, c'est le seul moyen nous gagner pour le pays d'Haïti pour l'autre direction. Nous t'avons aimé, pas de route, lutte contre corruption, bataille pour l'argent, l'État pas fait route cochée, c'est lui qui a mené nous sur route développement, route changement. Parce que, frère nous, zami nous dans la communauté internationale là, leur pari pour aider nous, premier ça a toujours gardé qui ça nous-mêmes, nous avons fait pour tête. Nous tous, nous sommes frères Axel. Nous devons chita plus sur ce qui unit nous. Au lieu de nous être sur ce qui divise nous. Ce n'est pas étranger. Ce n'est pas l'armée dans l'autre pays qui devine tout des années. C'est un petit groupe de monde qui toujours passe intérêt tout le monde en bas pied. Au profit des intérêts personnels. C'est un petit groupe de monde. Je nous vois dans les affaires Petro-Caribe. Ils sont sortis pour ramasser. Pour le peuple là-bas, je ne justice. PM, Bablier. Projet, nek qui est comme dans le gros l'argent. Comment c'est rentrer si mon peuple là, PM, dit l'argent. Yo même, c'est un petit groupe de monde qui a intérêt personnel. C'est eux qui détouillent des Salines. Pas oublier. Pour te mettre songer, nous ne pouvons pas quitter personne qui est rêve nous aujourd'hui. Rêve pour nous construire route dans le pays. Rêve pour nous éclairer 146 communes dans le pays. Rêve pour nous mettre
système solaire pour électrifier 1 100 000 familles qui vivent dans la section communale. Rêve pour nous construire barrage irrigation pour nous user terre côté ces barrages qui ont levé. Député circonscription 15 Kofla Alfredo Antoine a demandé tout le monde qui était comptable denier public dans le cadre de gestion fonds Petro-Caribéa pour mettre à la disposition la justice pour permettre lumière faite sous dossier ça. Plus explications dans le micro Colo Elizer avec Fresnel Toussaint. En ce qui a trait avec la manifestation qui était lancée hier là, c'est surtout des jeunes que moi-même salue l'initiative ça. C'est une initiative citoyenne que en pile jeune qui conséquent dit que faut que lumière qui fait sous question fonds pétro caribé. Donc nous féliciter et de l'autre monde qui infiltre manifestation pour gain de casse, c'est ça que nous-mêmes nous condamnons parce que il était toujours mentionné que c'est une manifestation pacifique. De l'autre monde qui voulait rentrer dans la manifestation, et nous, d'autres secteurs politiques qui voulaient rapatrier, nous avons dit que là, pas de ou libre, ni pouvoir, ni secteur de l'opposition, pas doué prendre mouvement pour rapatrier, pour dire que ce mouvement pas eux. Son mouvement citoyen, et que pouvoir lui-même, lui gagne pour tendre voix jeunes à eux. Citoyens qui prend la rue, qui a manifesté, il y a une lumière qui fait sous question fonds Petro-Caribé. Et nous demandons, moi, ouais, que le pouvoir exécutif, et au niveau de la présidence, que le président demande pour que tout le monde qui tape gérer fonds l'État mette au disponible pour la justice. Et moi, je vais aller plus loin pour me dire, quel que soit le monde qui était ordonnateur, qui était comptable de deniers publics au niveau et administration précédente, qui était exécuté, qui t'a exécuté budget ça, qui était gain fonds Petro-Caribé la donne, qui t'a signé une résolution à quelque niveau que ce soit, qu'on en palais national, qu'au niveau direction générale, qu'au niveau secrétaire d'État, faut qu'on démissionne automatique pour mettre disponible pour la justice et pour chef de gouvernement. Et Premier ministre Seyan bail avec l'administration judiciaire, le CSPJ, à travers le ministère de la Justice, moyen pour que juge d'instruction fait travail au commissaire gouvernement. Bail au moyen pour que vous menez enquête, qui, et c'est la justice qui pral mener enquête li, et que moun qui doit blanchir a blanchi, moun qui doit coupable, doit coupable. Et la Cour supérieure des comptes, plein de cadres, ok? De jeunes universitaires, question nous dit que n'a produira pour nous au mois de janvier. Moi pense que c'est trop à tort. Lis-le pour que nous produira pour nous, pour que la justice lui-même capable de décider. Et nous, la Cour supérieure des comptes, pas à doué, passer mois de novembre pour que rapport ça pas sorti sous gestion ancien comptable de deniers publics. Notre point dans le téléjournal Asroya, sous initiative plusieurs organisations, il y a une manifestation déroulée à 17 octobre dans Port-au-Prince, avec plusieurs villes, provinces. Pour Port-au-Prince, ces manifestations ont commencé dans Kafou Aéroport, monté sur route d'Elma, à Pétionville, pour le Talbout, place des Salines, sous champ de masse. Manifestants yo t'ap mandé pour gen lumière qui fait sous gestion fonds Petro-Caribé yo. Yo souhaité gen bon jan mesure qui adopté dans l'idée pour la justice qui a fait lumière sous dossier ça. Pendant déroulement manifestation, quelques manifestants cassé à coup de roche plusieurs vite business ak machine dans bloc Pétionville. La police nationale était présent pour assurer sécurité manifestants yo ak l'autre monde qui t'ap mené activité yo. Pendant journée 17 octobre là, deux moun mouri, 11 blessés ak balle, gen 7 machines qui boulé, deux lot endommagés, yon bâtiment boulé, la police arrêté 8 moun et puis gen 11 policiers qui blessés. Porte-parole PNH là Michel Ange Louis Jeune qui présentait bilan ça jeudi 18 octobre là, fait qu'on est malgré difficulté yo joindre dans cadre diverses opérations yo t'ap mené pendant journée, c'est une réussite pour PNH là.
Yon bout nan déclaration nan micro d'Aline Dorival à Kervé Pierre. Nan département l'Ouest là, nous enregistré deux cas de mort par balle. Bien bonheur nan matin et en milieu de journée respectivement à Delma 2 et à Paco. Et c'est pas forcément des cadavres nous découvrir dans Paco côté manifestants ou t'a passé. 11 moun blessés par balle, yon nan l'Ouest, 5 nan l'Artibonite et 5 nan département du Nord. Kèn yon véhicule PNH ki incendié, yon nom de 7 véhicule PNH ki incendié. Sa arrivé particulièrement nan sud et côté 6 véhicule PNH, particulièrement des motocyclettes, et te arrivé brûlé dans des circonstances. Et yon l'autre véhicule dans le département sud-est. Gen deux véhicules PNH qui endommagé côté au tiré roche sou yo, pa brise yo, écrasé, recevoir coup de roche un peu partout. Gen deux autres véhicules particuliers qui incendié et ça arrivé dans l'ouest avec dans l'Artibonite, deux véhicules particuliers. Gen un bâtiment dans le département l'ouest qui arrivé incendié. La police procédé à 8 arrestations. 3 dans l'ouest, yon dans sud-est, 2 dans nord-ouest et yon 2 pardon dans département du centre. Gagnent 11 policiers qui blessés avec coup de roche que yon recevoir un peu partout. Dans l'ouest gagnent 2 et dans nord gagnent 9. Et yon dans cas que nous capable rappeler nous c'est bien bonheur dans matin dans pont rouge. Côté policier USGPN nan te recevoir un coup de roche dans tête li, et sous caméra la presse tout le monde te cap gade comment monsieur t'a bien ensemble et rapidement et des dispositions de prendre pour te conduire monsieur dans un centre hospitalier et côté t'a le prendre soin que cal te nécessité. Nous arrêté des monde tout qui t'a circuler avec des véhicules sans plaque et qui était teinté et à bord véhicule ça au monde qui était à bord véhicule ça était armé. Donc police judiciaire t'est procédé à arrestation yo et t'est fait suivi que cas demandé. La police nationale d'Haïti est arrivé dévié et deux cas côté deux maquettes qui ont été ciblées ou t'a brûlé et que la police est arrivé dévié ça. Et direction départementale l'Ouest, plus précisément, tu as fait plusieurs arrestations. Et côté, tu as joint des gens à bord motocyclette et qui te gagné un gallon de gaz dans les mains, qui t'a circulé à bord motocyclette sans pas capable d'expliquer qui ça doit faire avec un gallon de gaz. Et plusieurs gens aussi qui te gagné des armes illégales que la police t'est arrivée à arrêter. Regarde les moyens que nous avons à la disposition nous pour nous répondre à un événement comme ça. Donc, nous sommes capables de dire oui, nous avons réussi. Et même si il était en pile bagaille pour nous faire encore, qui pour permettre que nous portions une satisfaction beaucoup plus à la population que nous appelons pour nous desservir. Jean-Michel Nuit, nous avons pris une deuxième pause nous dans le téléjournal. Nous avons tourné à. Téléjournal là, la va poursuivre avec secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis qui exprimait sympathie à tout le monde qui était victime dans manifestation 17 octobre là, jour qui était marqué commémoration 212e l'année la mort papa nation. Eddie Jackson Alexis félicité PNH là dans nos gouvernement qui était assuré sécurité dans date 17 octobre là pendant le rappeler président République l'a mandé chaque haïtien protéger souveraineté nationale. Secrétaire d'État a fait connaître président mandé toute autorité dans l'État qui concernait dans des dossiers Petro-Caribéa rester disponible pour la justice qui a fait lumière sous question. Secrétaire d'État à communication Eddie Jackson Alexis tenant dans micro Stéphanie Charles à Toussaint Fresnel. Président République là ensemble avec membre gouvernement présenter sympathie yo ak solidarité yo bay tout membre la presse parler écrite télévisé en ligne qui était en difficulté sous parcours sorti marchand pour venir Port-au-Prince surtout dans niveau Saint-Marc. Nous saluons courage journaliste yo. Gouvernement félicité police nationale là
pour travailler et pour travailler fait dans l'occasion journée 17 octobre là et pour travailler il continue à faire dans la population ni j'ai été comporté avant. Ne pas oublier personnel bureau secrétaire d'état sécurité publique là qui était protocolé dans exécution plan sécurité journée. Gouvernement voyez sympathie by tout le monde qui gagne monde qui mouri monde qui gagne monde qui blessé ou soit qui subit choc psychologique. Jean ça a toujours fait cérémonie officielle pour commémorer journée 17 octobre là et commencé dans Pont Rouge. C'est dans Pont Rouge nous connaît été assassiné Jean-Jacques Dessalines. Président et première dame là, membre gouvernement avec l'autre pouvoir dans l'état, l'idée pour respecter tradition ça de déposer un jet de fleurs dans pied monument. Pendant cérémonie en pile disposition te prendre à niveau sécurité pour toute bagaille bien passé. Après autorité au fin déplacé. Il y a un incident qui éclaté. D'après l'image, il y a un agent USGPN qui recevait un coup de coche dans la tête. Ça t'apprend la cause, il y a un pile tiré. Pour qu'on y ait un agent USGPN a rétabli. Dans le moment de l'incident, on a précisé le président de la République est déplacé avec tout le reste du gouvernement. Le président a demandé le secteur privé, les politiciens, les militants politiques, les intellectuels, tout le monde qui a un mandat, donc Azek, Kazek, délégué ville, député, sénateur, pour faire un seul, pour gommer contre la souffrance population, contre la misère, contre l'exclusion, violence et insécurité, et puis tout pour protéger la souveraineté nationale là, dans la façon de gommer. Nous croyons que c'est normal pour les citoyens de demander contre le corps de l'Occident. Chef l'État, profitez. Après le fin d'un des appels citoyens, pour demander toute autorité dans l'État, ou sinon toute autorité qui est dans l'État, qui concerne la gestion de la Jean-Pierre du Caribéa, pour mettre à la disposition de la justice. C'est un devoir moral. Dans une société démocratique, personne moun, vraiment, personne moun pas qu'à courir pour la justice. Porte-parole et président Slan, Martine Denis Chandler, by précision, jeudi 18 octobre là, sous cérémonie qui était déroulée mercredi 17 octobre là, dans Pont Rouge avec Marchand des Salines, côté président Jovenel Moïse de participer dans l'idée pour marquer 212e l'année de la mort empereur Jacques Ier. Pendant participation dans l'émission mise au point sous télévision nationale, porte-parole là déploré Zach malhonnête, quelques secteurs lui dit poser dans Pont Rouge avec l'autre côté dans le pays. Nous évitons suivant extrait. Président de la République l'a accompagné de première dame Martine Moïse avec une équipe l'autre autorité et a accompli devoir de mémoire ça. Fon dit nous que pendant que le devoir l'ont fait, pendant que président avec l'autre autorité ou accompagné de première dame là t'a déposé gerbe de fleurs là, bagaille était sous contrôle, l'activité à un moment que président était là, t'est faite avec en pile sécurité, t'est faite avec en pile sécurité. Cependant, et nous gain droit que une fois que activité normale tu as fait activité de mémoire là vinn gen des incidents effectivement vinn gen des jets de pierre et vinn gen des tirés qui t'est fait qui pour détruire sérénité et puis importance historique moment ça de toutes les façons secteur pour ta DSA c'est secteur qui malheureusement est vle nous gen droit dire empêcher développement dans pays d'Haïti et les wap tirer l'on espace pareil un espace hautement symbolique pareil l'on jeté Roche dans espace hautement symbolique pareil, c'est que quelque part tout ou oublier sa Pont Rouge voulait dire, oublier symbolisme Pont Rouge là, oublier ça qu'a voulait dire pour Timoun Yoto qui t'a suivre et qui voulait comprendre et 17 octobre là, ça voulait dire dans l'histoire pays yo, ça voulait dire pour yo qui appelait à vivre et arrêter dans pays ya. Pour l'instant enquête la pral mené, on a parlé de manière générale, OK, nous déplorer que gain des camions, des machines police.
police eux-mêmes qui subit des dégâts des agents tout justement qui subit des atteintes à corps physique malgré tout défi que nous connaît que journée 17 octobre ça en termes d'attente en termes de ça que dictat gagné et bien malgré toute difficulté ça yo et bien la police nationale d'Haïti a joué son rôle a fait son devoir et nous remercier en pile police nationale d'Haïti nous remercier tout USGPN qui fait ça yo capable tout et avec toute difficulté que nous connaît que institution ça yo gagné et bien pour le rôle yo pour faire devoir yo disposition yo nous te prend depuis en vent d'accord côté et nous en responsable go autorité pays yo te mandé et la police nationale d'Haïti et bien pour prendre toute disposition au côté toute disposition été prend effectivement directeur général police nationale d'Haïti tout est parlé et donc nous te prend toute disposition en amont dans le sens que nous responsable yo te prend toute disposition te mandé tout monde en charge pour te faire rôle et de, nous gen droit dit au niveau psychologique nous te montrer population que nous là que exécutif là que responsable là et que y a bien pour faire tout ça pour faire pour journée 17 octobre là qu'a fête et bien dans le respect de cette date historique à profiter de l'antenne ça pour nous dire tout journaliste yo, franchement nous compatis à sacrivé yo ailleurs la zone Saint-Marc là et n'a tout profiter tout dit que de toutes les façons c'est inacceptable ce sont des travailleurs de la démocratie ce sont des travailleurs du pays et yo pas violence pas supposé faite sous personne violent encore moins sous monde qui joue un rôle si important pour construction société pour construction démocratie dans pays qui c'est les travailleurs de la presse. Un jour après manifestation qui fait dans la capitale là, activité reprend normalement jeudi 18 octobre là, dans Port-au-Prince à zone qui environne lieu. Transport public là fonctionné comme ça doit, pompe gaz yo recommencé bail service bien bonheur le matin, banque commerciale yo l'ouvri porte yo pour continuer servir client. C'est pas différent pour petit marchand yo qui bon côté pa yo déjà occupé la rue avec business yo. Jean ça qu'on habitué majorité l'école te l'ouvri porte yo pour accueillir élèves. L'autre point, responsable stop accident yo remet yon plaque honneur by Mackenson Remy vendredi 12 octobre passé a responsable yo prend initiative ça dans l'idée pour encourager j'effort yo dit l'a fait pour aider dans résoudre problème insécurité routière. Coordonnateur général stop accident gentil fils Exantus expliqué y a pas continuer travail pi plus pour attirer attention moun dans tout secteur pour yo contribuer non résoudre problème insécurité routière. Nous invitons à suivre explication dans micro Mireille Milias avec Michel Joseph. Si la répétition favorise la mémoire, on se doit de répéter à l'infini les messages de prévention, de signaler les facteurs de risque, de réclamer des interventions, d'alerter afin de les transformer en réflexes ou leitmotiv. Ce faisant, la thématique se confirmera comme priorité sociale et deviendra, telle que souhaitée, comme priorité nationale. Tous les mois, en pareille circonstance, on se retrouve ici pour élire une personnalité de la sécurité routière. On le fait à la manière des prix Nobel, concours Renaudot, Médicis, etc., pour encourager l'effort incontournable de quelqu'un ou d'une institution autour de la thématique des accidents de la voie publique. Il relève de la compétence de la commission de certification de nous entretenir là-dessus. Je veux profiter pour adresser nos félicitations les plus distinguées à tout un chacun pour l'intérêt porté à cette thématique. Vous devinez avec vous comment la RIA est venue à 3h du matin chaque jour, depuis que vous commencez. Ce n'est pas un bagage qui est facile du tout. Et parti c'est moi seulement, même presque sûr qu'il y a quelqu'un qui a pris l'engagement. Parce qu'à 3h du matin, il n'y a pas jamais facile. Des fois, il y a un pile tiré. Des fois, il y a la pluie. Des fois, il fait fret. Des fois, il y a un pile d'autres bagailles dans la rue. Qui objectif rubrique là? C'est pour me retirer peur la caille population. Parce que peur crée un paquet de maladies. Il y a beaucoup de tension, il y a faire sucre. Il y a faire toutes les bagailles.
Je ne veux pas que tomber sous aucun événement de matin qui a dérangé. Par exemple, depuis quelque temps, nous connaissons le bataille au cas de village de Dieu avec faillite. Depuis que le problème de village de Dieu, je me dis, ah, Lolo, dernier, ne pas qu'à quitter la population, à tomber son bagage matin. Hein. Tout le monde qui a ce carrefour, bon, moi-même, zone 3h, 4h, mal capé dans le carrefour, mal contrôlé, pour me commencer à aller. Donc, si quelqu'un est tombé là, peut-être que je me avant, et il n'a pas besoin d'arriver sur mon lieu. Responsable stop accident qui remet yon plaque honneur by Mackinson Remy vendredi 12 octobre qui s'est passé à yo di yo bali plaque ça pour encourager le continuer travail la fait pour aider réduire quantité accident dans circulation. Mam Kazek dans deuxième section communale Bellevue dans tabac distribué mercredi 17 octobre là plusieurs kits alimentaires by habitants dans section ça distribution ça a fait suite à demande élu local yo te fait directeur général fonds assistance économique et sociale la FAES pour supporter moun sa yo président conseil administration deuxième section communale Bellevue Lukenson Charles a porté plus précision. C'est vrai, nous conscient que ça au bas là, il pas en pile et que il pas satisfait tout le monde, c'est vrai. Même parce que l'a capable apaiser et souffrance moun yo. Nous disons merci encore une fois, Andy président, bon travail, Andy directeur FAES, monsieur Châtelier, bon travail. Office La Poste dans le pays d'Haïti, OPH, saute fêté 9 octobre qui saute passé à 29 l'année, 129 l'année depuis qu'il existait comme institution qui l'a pour transporter courrier à dossier archives nationales. Dans une visite dans le bureau central qui trouvait dans rue Capois, directeur général OPH, Karel Alexandre, fait connaître, il n'a pas campé dans quatre missions qu'il a gagné. Stéphanie Charles, Laurent Darly Jean-Jacques. Transporter courrier, système express, courrier en onde, casier postal, c'est divers services Office La Poste dans le pays d'Haïti offre sur tout territoire national là. D'après directeur général là, Karel Alexandre, qui fait qu'on est OPH gagne 164 facteurs cap livrer courrier dans tout le pays. Nous faisons des transports de courrier postaux. Des mêmes systèmes express là, comme si vous voulez voir un document en express, nous avons service ça. Nous avons un système de service de courrier en nom blanc qui veut dire que nous avons un paquet de courrier en même temps pour nous. Nous avons des cyberpostes que nous mettons afin que les jeunes nous fassent des recherches et surtout leur parler étudier. Nos services de coupon réponse, c'est par rapport à étudiants qui sont supposés aller étudier aller dans l'université à l'étranger. Les documents de passe, c'est pas le bureau de la poste que les documents sont transférés dans l'université. Casier postal, le service a toujours existé, mais en tout, nous avons 164 facteurs. La poste pas offrir service à eux seulement, mais offre livraison et à compte tout pour la banque. Et ensemble, service yo ajouté pour permettre au PH offrir population en plus service. Pas seulement où il y a une lettre qu'on envoie à l'étranger. Lorsqu'on prend les institutions bancaires qui fait livraison d'état de compte, c'est nous faisons tout nous-mêmes pour entreprise bancaire. Nous faisons livraison d'état de compte, nous faisons en pile de distribution pour des institutions, pour des firmes privées. De l'autre côté, directeur La Poste l'a fait qu'on est, institution a toujours qu'un mission. Contrairement à ça, en pile moun kwe, li déclaré à travail pour yon pi agressif dans niveau communication pour faciliter tout le monde connaît différents services yon offri. Nous avons, par exemple, véhicule nous globotisé qui est la rue 24-24. Bon, comme dit 24-24, pendant 12 heures par jour, chaque jour. Bien que nous avons laissé le système pour le travail samedi et dimanche, pour les livraisons. Nous avons un pile client. Ça veut dire que si nous avons un pile client, ça veut dire que nous pensons que la poste existait. Nous avons travaillé pour année ça, pour nous venir plus agressifs au niveau de la communication. Mais nous pensons que la poste existait et la poste, comme nous disons, et la poste se porte très bien. Office Poste dans le pays d'Haïti créé le 9 octobre 1889 sous président Lysius Salomon. Il prend droit grand monde li 16 d'août 1987. Au péage gagne 29 bureaux postaux sur tout territoire national là.
Association nationale infirmière et infirmier anesthésiste d'Haïti, c'est non yon association tout neuf qui lançait le 16 octobre 2018 là dans occasion Journée mondiale anesthésie. Responsable ANIA bay tête yo objectif pour renforcer profession an, mettre ensemble différents professionnels dans domaine nan, gérer conflit yo, faire promotion pour droit yo respecté et puis travailler pour définir prise en charge anesthésique malade yo. Plus loin, responsable nouvelle association ça mandé autorité dans l'état bon gens encadrement pour anesthésie pour faciliter moun ka pratiquer profession en fait fait ça nan conditions normales. Nous proposons un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Objectif nous, c'est permettre que profession nous capable aller de l'avant. Profession nous capable reconnaître en Haïti comme toute profession. Pour qui ça nous dit ça, c'est parce que profession infirmière anesthésiste non, c'est une profession qui est nouvelle. Donc nous voulons profession nous les reconnaître, les valoriser, les aller de l'avant. C'est renforcer l'unité, c'est-à-dire permettre que infirmières anesthésistes yo unis entre eux, permettre à ce que nous capables définir des prises en charge anesthésiques pour malades yo, pour patients yo, permettre à ce que infirmières anesthésistes capables droit yo avec devoir yo capables respecter et puis tout association nationale des infirmiers infirmières anesthésistes, c'est un cadre qui là tout pour gérer des conflits. Et dans le domaine, non, des conflits dans les professions. Et c'est un cadre qui est là pour gérer les conflits. C'est du ça que nous-mêmes nous gagnons en tant qu'association. La présence anesthésiste est toujours important parce que c'est moun ça qui est là pour administrer les médicaments qui permettent que les gens n'ont pas de douleur pendant l'opération. Et tout qui permet que les chirurgiens soient confortables pour les gens capables d'opérer les gens dans des conditions normales. Parce que, un, si le chirurgien a opéré, malade a brûlé en moins, donc il n'est pas concentré et il n'est pas trouvé dans une situation, dans des ambiances pour être capable d'opérer malade bien. Parce que malade a une douleur, il a bougé, il n'est pas resté tranquille, ou bien que quelqu'un a parti avec douleur, ça a fait que le chirurgien étant humain, il n'est pas senti normal pour continuer à opérer mon ça. Donc, anesthésiste, il est très très important, l'air que il a dans une opération chirurgicale. C'est lui qui administre les médicaments contre la douleur qui fait que mon nom soit qu'il était dormi pendant l'opération ou bien qu'il était éveillé, mais il n'y a pas de pièces de douleur et que le chirurgien même senti dans une ambiance, il est très très compétent, il est très très concentré pour être capable d'opérer mon nom sans douleur. Donc, nous demandons l'État pays, nous, les gens qui sont responsables pour encadrer les gens qui a bay anesthésie pour mettre pour créer des conditions des bonnes conditions pour que anesthésie même pratiquée dans conditions de sécurité. Donc infirmière anesthésie, vous voyez une note spéciale à autorité à responsable au supérieur du pays côté que pour être capable prendre nous en charge et pour être capable encadrer nous pour nous capable pratiquer anesthésie dans conditions normales ensemble avec médecins et techniciens en anesthésie. Après yon titan campé, journal L'Union recommencé sorti en format papier. Responsable yo publié jeudi 11 octobre passé a yon nouveau numéro. Numéro 00-04 la gen pour principal titre responsabiliser l'État. Yon texte directeur rédaction journal la Jacques Desrosiers signé. D'après responsable yo, journal la qui était seulement sous internet, ta doit continuer imprimé sous papier. N'a pas rappelé journal L'Union recommencer publier sous direction Conseil coordination média l'État ak service public. C'est moment pour nous prendre dernier pause nous dans téléjournal là, le tourner dans porte nouvelle internationale. Pays d'Haïti commémoré hier mercredi 17 octobre là 212e anniversaire assassinat Papa Nation empereur Jacques Ier. Dans l'occasion, en président de la République là Jovenel Moïse qui était avec lui première dame de la République là premier ministre Jean-Henri Séyen avec plusieurs autres autorités dans l'état déposé yon jeb dans pied monument Papa Nation dans Pont Rouge.
Jean-Jacques Dessalines, papa inclusion tout haïtien, c'est sous thème ça. Journée en te commémoré président République la Jovenel Moïse avec diverses personnalités dans le gouvernement et puis représentant l'autre secteur terrain Yonan Marchand Dessalines pour terrain hommage à empereur. Président République la Jovenel Moïse mandé toute autorité dans l'état qui concerné dans dossier Petro-Caribéa rete disponible pour la justice et qu'a fait lumière sous question selon secrétaire d'état communication Eddie Jackson Alexis qui t'a rencontré la presse jeudi 18 octobre. Deux moun mouri, 11 blessés par balle, 7 machines boulées, 2 lots endommagés, 1 bâtiment boulé, 8 moun arrêté et puis 11 policiers blessés. C'est bilan journée manifestation 17 octobre là, d'après porte-parole PNH là, Michel-Ange.